bien sûr tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Horizon de Forbidden West avec évidemment Aloy et moi-même. Donc n'oubliez pas la 4K 60 FPS, lâchez votre plus beau like, ça fait toujours plaisir. Merci infiniment à tous ceux qui soutiennent, votre plus beau commentaire aussi, votre plus belle photo, votre story Insta, lâchez tout ce que vous avez, lâchez tout ce que vous avez regardé le jeu. On est à l'épisode 7 et il est toujours aussi magnifique. On devait rejoindre une mine qui était apparemment bien haute pour pouvoir finir une quête secondaire du village. Et après, on était tranquille. Et là, c'est un... Oh, une fleur nocturne. J'adore les fleurs. J'adore les nocturnes. Donc, une fleur nocturne. Ça vient de là où Arnouf a dit que se trouvaient ses collègues. Notez ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Chemin bloqué. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Il y aura sûrement quelque chose... Tout ceci est fort étrange. Rejoindre la mine. Non mais attendez les gars, oh, il se passe quoi en bas là? Waouh. On est où? C'est terrible. On a un abri inconnu. Allez, go. Qu'est-ce qui se passe? Tiens. Encore what? Sûrement la mine dont Arnouf m'a parlé. On dirait que les mineurs ont des problèmes. Oui, ils ont un sacré problème. Ils sont tous en train de canner. C'est quoi ces conneries? Attendez, on va save. Ça doit être le contremaître dont Arnouf m'a parlé. Je devrais aller le voir. On va save. Dans un abri, vous pouvez fabriquer et améliorer des objets. Pardon. Ok. On va faire une petite save manuelle. Ça fait toujours plaisir. Et une sauvegarde rapide. On sait jamais. Qu'est-ce que c'est? Indisponible, ok. Bon. On va continuer. Ça me sert à rien pour l'instant de tuer de la petite racaille machiniste, comme on dit dans le milieu. Avant de parler à ce jeune homme, il est peut-être temps pour nous d'améliorer nos compétences. Survivants, qu'avons-nous? Regardez-moi cela. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Triple déchiqueteuse. Je dis oui, ceci est une technique d'arme. Et donc, en faisant ça, on va le débloquer, je pense. Pas encore. Par contre, les gars, on aura bientôt cette ulti. Et ça, je le veux. Donc, dans 1-2 points, on a cette ulti. Et après, il y aura encore un ulti en bas. Attendez, il y a encore un ulti en bas? Ah non. D'accord. Ok. Mais alors, si j'ai bien compris, pour avoir cela, il nous faudra cela. Et pour avoir cela, il nous faudra cela. C'est très bizarre. Ok. Bon, écoutez, on attendra le reste un petit peu plus tard. Coucou, toi! Ça va? Je vais bien. Merci, Corvend. Corvend? Arnouf m'envoie. Pas maintenant. Doucement. Dis-moi tout. Une explosion dans la mine. L'eau a tout englouti. Certains de mes hommes sont toujours en bas. Je dois continuer. Tu en as fait assez. Dis-moi exactement ce qui s'est passé. On a fait des explosions maîtrisées pour ouvrir de nouvelles veines. L'une d'elles a dû mal tourner. Je dois y aller. Il en reste combien à l'intérieur? Corvend, combien? Deux, je crois. Oui, deux. Je vais faire mon possible. Ok. Eh ben écoutez, on va essayer de tous les sauver. Trouver les mineurs disparus. J'espère qu'ils sont pas déjà morts. Tonneau explosif, ça ne présage rien de bon.
le canyon pourpre. Il faut trouver ces deux mineurs, vite. Oh oh. Les gars, je vais pouvoir nager. Très bien. Ok. Eh oh ! Est-ce que vous m'entendez ? Ah ! Trop bien ! On les entend ! C'est insane ! Alors attendez, alors là on a un problème. Ok, on peut aller là. On a fait le tour. Excellent. Excellent, excellent, on va passer par ici alors. Ah, on pouvait se propulser en utilisant certains objets. Yo les gars! Vous allez bien? Qui es-tu? Corven m'envoie. Vous êtes blessé? Ah! Ma jambe! Ah! J'étais trop près de l'explosion. Qu'est-ce qui s'est passé? On faisait des explosions dans le tunnel du fond, mais l'échafaudage n'a pas tenu. Il s'est effondré. Je crois qu'il a bloqué le puits de drainage. L'eau a envahi le réseau aussi vite que la bière dans mon gosier. J'ai à peine eu le temps de nous traîner ici. Alors quelque chose empêche l'eau de sortir des tunnels. À quoi tu penses? J'ai une idée. Il reste des explosifs? Non mais t'es dingue. Oui, il doit en rester en haut, mais... Tu vas avoir besoin de ces mèches. Non mais vous êtes dingue! Tu ne peux pas bouger. Et je ne te laisserai pas ici. On pourra pas empirer la situation. Ne bougez pas d'ici. Ok. Il faut que je trouve ce qui bloque ce puits de drainage. Et que je fasse sauter le barrage. En espérant que ça ne fasse pas s'effondrer tout à l'heure. On va passer par ici. Très bien. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Ça y est. Là-haut. Voilà les gravats qui bloquent le puits. Si j'arrive à accéder aux explosifs sur ces voies, je pourrais faire sauter le barrage. Très bien. Comment on va faire? Comment? Ok, j'ai un truc là. Très bien. J'ai un truc sur la gauche. Ça, on va pouvoir le diriger. Néanmoins... ceci est fort embêtant. Alors... Ok, on va monter. Très bien. Ça... Vache. Ok. Oh les salauds. Et là on a un câble. Ok. Il y a forcément... Très bien. Vous croyez que ça va, une fois libéré toute l'eau, on y aura accès? C'est incroyable. Donc on va aller de l'autre côté, je pense qu'on n'a plus rien à faire ici. Voilà. Bon, maintenant qu'on est là, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? C'est la merde partout. Il faut que j'arrive à trouver un moyen de monter, ça va être chiant, ça va être chiant. Ok. Comment on peut faire? Là, excusez-moi du terme, mais le doute m'habite. Mais genre vraiment en plus.
Et là, rien de mieux. La vache, ça va pas être facile cette connerie, hein. On va... Oh putain, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu. Oh, c'est terrible. Ah ouais, non, alors vraiment, par contre... Je rappelle qu'on est en mode exploration. C'est-à-dire qu'il nous laisse clairement nous débrouiller nous-mêmes. Mais alors ça... Ça, mon pote, il fallait le voir, je te le dis, hein. On aurait pu rester bloqué des heures là-dessus, hein. Ok. Très, très bien. Faut donc aller... Ah ouais... J'ai appris à pirater les machines dans des creusets. Je me demande s'il y en a ici. Je peux passer discrètement en nageant. Ok... Je sais pas du tout où je me rends, mais écoutez, on tente des choses. Wow, 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 tranquille, tranquille. Il se passe quoi? Ok. Ouais. Mort. Parfait. Je crois que c'est bon. Maintenant, il faut que je sorte de cette pièce. Allez, niveau 5 atteint. On va tout fouiller, hein. Calmons-nous, s'il vous plaît. Ce sera dans ma réserve quand j'en aurai besoin. Faut que je trouve un... Je devrais suivre ces rails. Voir s'ils me mènent aux explosifs. Ça, on prend... Ah, vache. Ok, parfait. Je devrais suivre ces rails, voir s'ils me mènent vers les explosifs. C'est pas aussi évident que ça, vous l'aurez compris. Ok, on a des explosifs ici, très bien. C'est pas des explosifs, ça? Ok, pas mal. Pas mal, pas mal, pas mal. Non, mais vous avez vu la complexité de tout ce que... C'est incroyable. Je trouve ça incroyable, je suis désolé, mais... Là, c'est juste une quête annexe qui nous emmène dans une mine, mais regardez, c'est un épisode à elle toute seule. C'est fou, c'est trop stylé. C'est trop stylé. Ok, je suis où là? Voilà les explosifs, sur les voies. Ok. J'arrive à traverser. Je devrais peut-être faire tomber cette échelle. Fais ça. Heureusement qu'ils ont mis une échelle, hein. Heureusement qu'ils ont mis une échelle, parce que ça, faut savoir que j'ai réussi à la louper, hein. Terrible. Des conneries. Très bien. Bon, ben voilà une bonne chose de faite. C'était pas facile, hein, cette quête. Waouh. Ça a attiré son attention. Ah, ah.
Problème. Vache, il peut résister à ses potes celui-ci. Ok. Dans la villa des cœurs brisés. Wow. Oh non. C'est pas grave, ça arrive. Oh non, c'est pas grave, ça arrive. Ok, lui il est mort aussi. Tout le monde va me découper la gueule ou c'est bon là? Attendez. On va se refaire ça aussi. Hop, c'est bon. Wow. Calme-toi, bichette. Pas besoin de s'énerver à ce niveau de jeu-là. Oh, j'ai eu chaud. Heureusement que j'utilisais un soin. Mort. Et ben voilà. Bah c'était pas évident. Maintenant, allons voir ces mineurs. Ok, parfait. Hop. On verra ça comment on les utilise. Très bien. Alors, ne bougez pas parce que j'ai pris encore un niveau. Je prends énormément de galons en ce moment. J'ai deux niveaux, c'est incroyable. Vous êtes prêts? On va prendre ceci. La santé récupérée automatiquement. Et on... ah bah voilà, mais donc ça m'a débloqué ça. L2 et R1. Ok, et ça, ça fait quoi ça? L2 et R1. Lancer 3 déchiqueteuses de type sélectionné. D'accord. Et on est bon, regardez. Oh, vous êtes prêts? Ça va être incroyable. Boum! Let's go! Maintenez carré pour l'équiper. Eh ben, on va l'équiper. Incroyable. Donc, je choisis mon ulti, c'est ça? Et ça, qu'est-ce que c'est? Gagner de la bravoure quand les ennemis vous touchent. Activez votre sursaut de bravoure équipé en ouvrant la roue des armes et en appuyant sur R1. Très bien. Et donc, R1, c'est pour faire la bravoure. Ok. Vous avez équipé un sursaut de bravoure. Les sursauts de bravoure sont des capacités rares extrêmement puissantes, susceptibles de renverser instantanément la situation en combat. Remplissez votre jauge de sursaut et appuyez sur L1 et R1. Parfait. Encore de nouvelles choses incroyables, on en découvre tous les jours. Ok. Arrête, on n'en sait rien. Wesh les gars, ça va ou quoi? T'as réussi. J'ai cru que t'avais explosé. Vous allez pouvoir vous débrouiller. Je peux faire descendre cet abruti, t'en fais pas. Merci petite. Et ben voilà. Pas de récompense, rien, c'est la beauté du sport. C'est la beauté du sport et c'est ça qu'on aime. Donc c'est... Je veux dire à Corven que ces hommes vont bien. Ok. Il s'en passe des choses ici. On va pouvoir même tout fouiller. Ça, c'est beau, ça me plaît énormément, ça. Direction la sortie. Ok, let's go. Oh la vache, stylé. Yo, mon pote! Tes bros vont bien! J'ai trouvé les deux dont tu parlais. Ils vont bien, mais ils auront sûrement besoin d'aide. Les autres vont bien? Oui. Je n'ose imaginer ce qui se serait passé si tu n'étais pas arrivé. Je savais qu'on faisait trop d'explosions, mais celui qui dirige tout ici, Ulfhund,
N'arrêtez pas de me mettre la pression. J'essayais de protéger mon équipe de toutes ces exigences, jour après jour. J'aurais dû être plus fort. Tu as été là pour tes hommes quand ils en ont eu besoin. Ce n'est pas rien, tu sais. Ulvu ne peut me menacer tant qu'il voudra. Je ne laisserai pas Megar retourner dans ses mines. Est-ce que ça ira? Oui. Je vais me débrouiller. Je te dois une faveur. Ok. Merci, chasseuse. Revient sans arrêt. Je vais aider les derniers à sortir. Tôt ou tard, quelqu'un va devoir s'occuper de lui. Merci, chasseuse. Je vais aider les derniers à sortir. Eh ben écoutez, tout est bien qui finit bien. Alors, si je regarde les quêtes, quête annexe, c'est en cours. C'est quoi ça d'ailleurs? Retourner voir Javad le volontaire. C'est fini. Et c'est fini. Donc on est plutôt pas mal. Let's go en vrai. On est plutôt pas mal et je suis très satisfait. Et c'est surtout qu'en fait, je crois que j'ai beaucoup de points de compétences. Donc survivant, c'est fait. Et ça, ça a été débloqué ou pas? Apprendre la compétence. D'accord, ok. Lancer 3 déchiqueteuses de type sélectionné. Par contre, ça me coûte 2, c'est énorme. Et ça, ça fait quoi, cette ulti? Bam, bam, tut. Active un brassard spécial basé sur une technologie ancienne pour bénéficier d'un bouclier d'énergie rechargeable. Waouh! Incroyable! Ouais, mais attendez, non, mais il y a beaucoup trop de trucs à regarder aussi. Infiltré chef des machines. Qu'est-ce que c'est? Subissez moins de dégâts sur une monture. Oh, c'est pas mal. Je prends. Augmente la durée pendant laquelle une machine reste piratée. Les machines piratées infligent plus de dégâts. Bon, on va augmenter la durée, c'est pas mal. Ok, on va débloquer chaque truc, on va prendre notre temps, on va kiffer. Quel bonheur j'ai à parcourir ces plaines avec vous, je vous le dis. Et c'est bizarre, mais comme je vous dis, ça me ramène à une époque... à une époque extrêmement belle, voilà. Je sais pas vraiment comment vous le dire, mais Horizon 1 a été pour moi un let's play assez incroyable. Je n'ai aucun regret à avoir fait le let's play d'Horizon 1, sinon je ne serais pas sur le 2, vous vous en doutez. Mais j'ai que des bons souvenirs quand je me rappelle de l'époque Horizon 1. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me ramène à il y a 5 ans, et il y a 5 ans, bah, la vie était belle pour moi. Et donc ça me ramène à une belle époque. Et là, bah, j'ai tellement de plaisir à vous record ce let's play sur le 2. Que ça m'emmènera... Oh. Dans quelques années, je pense, à encore une très bonne période, du moins je l'espère, évidemment. Alors, pour descendre ça, bordel de bordel. Hein. Comme ça, à l'ancienne. On va pas faire trop les fous. Voilà, ensuite. Ok, on va appeler une monture. Elle est là. Parfait, ça. Eh ben, direction le village, on va rendre toutes les quêtes. Attends, mon ref. Attends, fais pas le fou. Je sens que tu vas pas bien. Putain, mais tout ce que ça utilise, incroyable. Je suis ruiné. Allez, let's go. Direction la suite de nos aventures. Il est temps d'aller faire un compte-rendu. Sur tout ce qui a été fait, sacré compte-rendu qui plus est. Et on va à l'entrée du village, ça va me permettre par la même occasion. Hop. Oh là, stop. Je sais pas si les machines sont tolérées à l'intérieur de l'enceinte du village. Allez. Yo les gars, ça va ou quoi? Wesh le gang. Alors, bougez pas. On va rendre cette quête déjà. Retournez voir Javad le volontaire. Il y a le cuisinier, il y a tellement de monde à qui parler. Ça c'est beau, ça c'est ce qu'on aime. Je vais dire que la mission est rondement menée. Quelle nouvelle apportes-tu? J'ai suivi la piste des fouisseurs près de la carrière.
Il semblerait qu'il soit sorti furieux d'une mine au fond de la vallée. La mine ? Mais comment un troupeau de fouisseurs aurait pu s'y retrouver ? Je ne sais pas, mais les ouvriers d'Ulvund utilisaient des explosifs dans les tunnels. Pour l'amour de l'aube, je lui ai pourtant bien dit que c'était beaucoup trop risqué. Ces tunnels, ils font des kilomètres de long, et ils vont même au-delà des couards. Non, tu crois pas que... Ulvund a ouvert un passage vers l'autre côté ? Peut-être. Oui, c'est possible. Mais si c'est vrai, il nous faudrait des preuves. Une enquête tellement approfondie, tellement exhaustive, appuyée par la sauveuse. D'accord, je poursuis l'enquête. Ça te donne... Il faut que j'y aille. Tu veux pas me donner... D'accord. Non, je gagne rien. Je gagne rien. On en est là, les gars. Les fouisseurs en attente. Il faut que l'ambassade soit terminée. On en est là. Ok, très bien. Si bon, allez, on va récupérer au moins une petite soupe, là, parce que c'est terrible. Ah, rebonjour. Alors, cette mission ? À ce sujet. Bah, j'ai ce qu'il faut. Il faut que j'y aille. Bien. Bah... Non, j'ai pas ce qu'il faut. M'aurait-on menti ? Récolter de la viande sauvage ? Le cuisinier, ok, et rejoindre le site de pillard. Ah. Ah. Et il est où ce site de pillard, les gars ? Ah, j'y étais. Et quel dommage. Allez, c'est pas grave, on ira en ressortant tout à l'heure vite fait. On fera un petit détour. Bon, c'est ma faute. J'ai été un petit peu boubourse, j'aurais dû être un peu plus prudent, évidemment. Yo, les gars. Mince, qu'est-ce que je fous là, moi ? Yo ! On peut vraiment parler à tous les Océram, hein. Enfin, on peut parler... Putain, on peut parler à tout le monde, on peut saluer tout le monde, c'est incroyable. Ils ont vraiment apporté un côté encore plus vivant, un petit peu comme dans un Elder Scrolls, si vous voyez ce que je veux dire, ou un Fallout. Il y a vraiment ce côté plus vivant de la part de tous, en fait, de la part de toute la ville et tout. J'ai éliminé tous les fouisseurs. Ah, vraiment ? Maintenant que tu t'es remis du choc, souffle dans le sifflet. Et là, n'allons pas si vite. Je vais devoir envoyer quelqu'un pour vérifier d'abord. Et m'assurer que la vallée est sécurisée. Ça ne devrait pas prendre plus d'un jour. Ou deux. Non. Souffle dans le sifflet maintenant. C'est de la vie d'Océram innocent dont il est question ici. Ce petit contretemps... Soit tu le fais tout de suite, soit je m'en charge. Ah, je savais que tu pouvais le faire. Mes amis, approchez. La sauveuse de Méridian a réussi à nouveau. Les fouisseurs sont anéantis. Toi. Quoi ? Fais sonner le sifflet. Le travail à Skorok peut reprendre. Super. Ouais. Et... Ulvund a accepté de payer de sa poche à chaque ouvrier son salaire perdu. Ouais ! Ça, ça fait plaisir ! Ouais ! Wouh ! Ah-ha ! Ouais ! Ouais ! Tu ne devais pas assister à une ambassade ? Oui, tu as raison. Les marchands sont disponibles ! Il existe de nombreux types de marchands, les tailleurs ! Vendent de nouvelles tenues protectrices, vendent de nouvelles armes puissantes, les herboristes vendent des potions, les cuisiniers vendent de la nourriture qui booste vos compétences, et les autres marchands ont leur propre stock unique. Pensez à aller voir tous les marchands que vous croisez. Maintenant que Skorok repart, les commerces devraient être ouverts. Je devrais voir ce qu'ils ont d'intéressant avant d'envoyer Wadis à Gagnard. Bon, allez, on va aller récupérer, aller voir la comment on appelle ça ? Le truc de pillard pour pouvoir enfin aller récupérer notre recette. C'est pas si loin que ça, on peut faire ce petit effort. J'ai pas envie de terminer la vidéo tant qu'on n'a pas fait au moins, celui-ci. Voilà, n'abusons pas des bonnes choses. C'est à 300 mètres, mais avec cette monture, ça va bombarder, vous inquiétez pas. Attaque légère, ok, bon, ça c'est pas un souci. Faut que j'aille voir le site de pillard. Je sais pas pourquoi déjà, je me souviens plus. Ah oui, pour aller récupérer du métal. Me semble-t-il. Voilà, pour qu'il puisse... Bah ouais, bah sinon, le barbecue n'a pas toute sa splendeur, n'est-ce pas ? Ça serait dommage.
les problèmes. Ok, c'est donc les problèmes. Toujours les mêmes problèmes. Wow, bien joué ça. Wow. Monsieur, faut pas faire ça. Je me respecte. Wow. Alors là les gars, j'aurais peut-être pas dû foncer comme ça. Oh là, mais ils font tous des cascades. On est où là les gars? On est dans un bal costumé ou quoi? Wouah, bon! Wouah, 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 wouah! La vache, gros, ça fait des cascades, ça fait des... Frère, on est dans Danse avec les Stars, gros! Oh, c'est quoi ça? Eh ben, pas facile tout ça. Hein. Quel enfer. Ah oui, bah oui, ça te jette de la pierre maintenant, on est où? Quel enfer! Hop, dégage! Quand est-ce que ça va se terminer? Je n'en sais rien. Eh ben! C'était compliqué, c'est le fin d'épisode! Je dois chercher une carte de métal. Ouais, les potes, attendez. Hein. Attendez. Hein. Ça va me demander un petit peu plus de temps que prévu, ça, les gars. Hein. Wouah. Le Delirs. Je pourrais prendre ça dans ma réserve quand j'en aurai besoin. Ok. Et là, je vais devoir fouiller tout ça. Pas très bien. De métal. Allons voir dans un autre temps. Oh là 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 là, je suis encore ému les potes, j'avoue que j'étais pas prêt à tout cela hein. Bon allez, on va tout fouiller quand même. Autant on a tabassé la moitié du Connecticut, autant on est quand même là pour se faire un peu de pognon hein, dans ces histoires. Hein. Ok. Hop, tout le monde est mort là-dedans. Y a un qui va chier. Site de pillard, ok. Ah, c'est bon, je l'ai. Il est là. Je crois que j'ai tout ce dont Mildiff a besoin. Eh ben voilà. Ça tombe bien. Je commence à avoir faim. Allez. Tout ça pour un bon petit plat. C'est fort embêtant tout cela. C'est fort embêtant. Allez, on rentre. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire. On va rendre les quêtes et continuer notre quête principale, évidemment, lors du prochain épisode. N'hésitez pas à me donner votre avis. J'espère que ça vous plaît, cette petite balade. J'espère que vous vous sentez investi dans ce lore. Et je vous dis à très bientôt pour la suite de notre aventure avec l'épisode 8. Vous l'aurez compris. Bisous, à bientôt. Ciao.